Mon frère. Salut les fans, je suis Franco. Nous parlons aujourd'hui de la jeunesse inconsciente avec cette histoire de portefeuille magique. Mais avant, je vous présente un grand frère qui a brisé, pas avec le portefeuille magique, hein, mais plutôt grâce à la politique. Ok. Grand frère, tu as la parole. Ils savent qu'on vient de loin. Ah bon, hein? Et nous irons loin. Ok. Mais mon grand, il y a tous les gens qui racontent, oh, comme ils savent raconter là, que tu ne prends pas le poids, tu as toujours faim. Non, grand frère, ne ris pas, c'est sérieux, il faut parler. Ouais, mon frère, je n'ai plus faim. Ah bon? Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. C'est vrai, mon grand, surtout un grand député de votre rang là, comme ça là. Grand frère, dis-nous, vous gagnez même combien au mois? Un député, ça gagne 1 million de francs CFA. Frère. Hey, grand frère, c'est dans un autre pays ou bien c'est au Cameroun? Au Cameroun. Donc je réussis quand même à me faire quelques provisions pour pouvoir manger à ma faim. Il faut pas être fort. Non, Nathalie, laisse-le continuer. Grand frère, pourquoi tu es toujours maigre alors? Parce qu'à la présidentielle, je faisais pas 80 kilos. Ce matin, j'en faisais un peu plus. Ha! Donc en conclusion, grâce à la politique, tu manges mieux aujourd'hui? Donc c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Ah! Ah bon, hein? Je ne veux pas refuser. C'est très bien, grand. Quand Dieu t'ouvre les portes comme ça, il ne faut pas refuser. Il faut être honnête. Ah bon? Mais oui, c'est clair. Je ne veux pas nier que grâce à mon statut de député. Non, mon grand, laisse comme ça. On a compris l'essentiel. Nous, on a compris que tout chemin mène à Rome. Mais oui, c'est clair. Oh, jeune. C'est à vous que je viens parler ce matin. Bonjour la mère, tu as quel message pour ces jeunes-là? Tu es là qu'on va te donner un conseil. Toi, tu dis que la mère, c'est ton époque. Mais oui, c'est clair. C'est notre époque. Oui, notre époque est passée, on a vu. Tous les immeubles que vous voyez là dehors, là, c'est les gens de notre époque qui ont construit. Hé, ah bon? Et comment on appelle ta part d'immeuble, la mère? Ils ont travaillé dur. Oh. Hé! Ils ont été si honnêtes pour construire ça. Ah! Ah bon? Et toi, voici ton époque, qu'est-ce que tu as fait? Point d'interrogation. Hé, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est quoi? Tu as demandé où se trouve le porte-monnaie magique pour ne pas travailler. Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Cabral, tu entends ça? Je ne crois pas à la sorcellerie, mais tu es mon porte-monnaie magique. Hé, mon frère. La mère, continue seulement. Dieu merci, qui est fou dans les carrefours? Hé, attends un peu, on observe. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous allez vomir. Ne vous dérangez pas. Vous allez mourir. Les parents même vont vivre. Je te dis que... Ce sont les parents. Chaman. Mais ça, c'est vous. Ni vous. La sorcellerie n'a pas la honte. La mère, ce n'est pas ton époque. Oui, ce n'est pas mon époque. C'est votre époque. C'est votre époque. Faites de ça ce que vous avez envie de faire là. Hé, hey, la mère, attends un peu, mince. Tu as un message pour ces jeunes-là? La famille, la République. Oui, grand frère, tu es là. Je vais vous passer un message. Lequel, mon grand? Dites à Nenos qu'on ne discute pas les femmes ensemble. On dit quoi à Nenos? Dites à Nenos qu'on ne discute pas les femmes ensemble. Mais bien là, il se goulou. Azambawam, tes gros noyaux. Non, ne l'insultez pas encore, laissez-le continuer. Moi, j'aime quand ça chauffe et quand ça pique. Ah bon, hein? Oui. Vous connaissez, non? Allez lui dire ça. Et maman. Hey! Et mal éduqué. Je vous dis. Mec, faut laisser le champ. Mon frère. Fumer la drogue qui fait que tu peux parler mal à ton père, à ta mère, devant ton papa et ta maman. Stoppez-vous avant que c'est Dieu qui ne vous arrête. Mais oui, c'est clair. Vous-même, essayez de vous arrêter. Pourquoi? Parce que je connais. Quand c'est Dieu qui va vous arrêter, ça ne sera plus ça. Non, la mère, laisse-les comme ça. Quand Dieu va les arrêter, non? Voici comment ils vont se comporter. Sinek! Hey! La mère, tu dis quoi? Mais maintenant, Non, la mère, laisse! Pasto! Oui! S'il te plaît, une courte prière pour ces jeunes qui se lancent dans la vie facile, le portefeuille magique. Dominus vobiscus. S'imprintant sur le bol en balandé de Myria. Amen. Kabananji,
Est-ce que tu as reçu la bénédiction du pasteur? Il y a des hommes comme ça sur la terre qui font les activités, ça ne marche pas justement parce qu'ils ne donnent pas l'argent aux femmes. Nous, on donne l'argent aux femmes. Pourquoi? C'est pour ça que nos activités marchent. Regarde-moi ça. Facochère, imbécile, tu es fou. Mon frère, tu es beau, non? Tu as les abdos, non? Mon frère. Tu es costaud, non? Tu n'as rien. En rien, ton comme toi, là. En Abibagno, en Tentama. Papa, tu dois rester comme ça, là. Nous, les femmes vont toujours nous poursuivre parce que nos activités marchent. Ah. Parce qu'on les donne l'argent et ça nous porte chance. Papa, tu es fort. Cabral, regarde bien cette vidéo. Hein. La femme peut aimer quelqu'un pour autre chose que l'argent. Les fans, regardez un peu cette pub de Easy Market et on revient après. Prendre soin de ses proches restés en Afrique. Savoir qu'ils sont en bonne santé grâce à une alimentation saine, variée et constante est une préoccupation qui te tient à cœur. Cependant, tu hésites quand tu te rends compte que l'argent que tu envoies à ta famille pour la ration alimentaire est souvent utilisé pour autre chose. Sache que grâce à la plateforme Easy Market, depuis chez toi dans la diaspora, tu peux faire des courses pour tes proches restés au Cameroun et nous livrons en 24 heures. Tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus, rends-toi sur www.easy-market.cm et fais le plein du frigo pour ta famille. Arrêtez ça. Mais oui, c'est clair. Vous êtes content parce qu'on avait enlevé les fouets dans les établissements. Ah bon, hein? À notre époque, on nous tapait, on nous fouettait pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. D'autres parents ont pris son passé à la maison. Ils ont dit aussi qu'on en tape plus les enfants. On va vous taper. On va même vous taper, on va vous fouetter. La mère, voici la raison pour laquelle on a enlevé la chicotte dans les écoles. Vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Je maîtrise. Mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Oh, hey. quelle déception du jour. Tu as fini? Non, Joyce, elle n'a pas fini. Maman continue. C'est votre époque. Ceux qui ont fait de leur époque, ce qu'ils ont fait, on a vu. Tu as grandi, tu as vu ta mère, ton père travailler humblement. Tu te lèves, tu demandes que le port de mon aimer agir pour éviter de travailler. C'est ça? Pour éviter de travailler, c'est ça? Continuez. Non, c'est des soignants, je suis déçu. Non, mon frère, ce n'est pas des soignants. On devait plutôt les traiter comme ça si les enseignants étaient aussi bien formés. Regardez. Silence, oh, j'ai dit silence. Mon frère. C'est la magie les fans, c'est la fin pour aujourd'hui. Je vous invite déjà à aller sur la chaîne Franco le Mignon, regarder l'épisode 3 de notre web-série qui est déjà en ligne. Abonnez-vous massivement mes amis, il y a des bonnes choses qui arrivent. Sur ce, je vous laisse en compagnie de ces belles mélodies qui édifient les enfants. Les jeunes, écoutez bien cette chanson, c'est très éducatif. Quand tu dis à quelqu'un, tu vas voir. C'est toi-même le premier qui va voir. C'est toi-même le premier qui va voir. Quand tu lui dis, je vais te montrer. Ah. Demain, déjà bien positionné pour te montrer. En premier, le feu. Le feu. Fire. Fire. Le feu.
Quand tu montres un doigt à quelqu'un, sache qu'il y a trois doigts qui vers toi prennent chemin. Quand tu montres un doigt à quelqu'un, sache qu'il y a trois doigts qui vers toi prennent chemin. Tu as dit tu vas me montrer, voilà qu'en sortant la police t'a arrêté. Tu abordes le pan de ton refrain dans lequel le gars avait oublié de moufler le gué. La police t'a ciblé, t'a sifflé, t'a stoppé. Tes poches ils ont fouillé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Le gué. Une fois dans la maison, c'est ta propre femme qui te tape et te donne les beignets soufflés. Me dis me son aya ma maya au wingo, autrement dit le café t'a étouffé. Et toi me vive vive au gonga boudingo coulé à nous doué. Et toi me vive vive au gonga boudingo coulé à nous doué. Quand tu dis à quelqu'un tu vas voir.